Bienvenue dans l'autre édition de Jen and Jen Show. Chopin, chopin, tout. Capgadini, et ma salue, comme toujours, la belle Jen. Bonjour Jen. Sans toi, pas d'émission. Sans autour, pas d'émission. Bonjour, sister. Bon, c'est sûr, tout le monde connaît jumelles, nous. Et pour ça, pas connaît, nous, c'est jumelles. Alors, on a petit tout le monde. Bonjour, Capgadémission. Et avant tout, Jen. Nous avons une belle femme avec nous, une belle animatrice, une belle dame. Et il y a quelqu'un qui a les cheveux malheureux là, qui pense que c'est fait, pas fait là. Alors, nous saluons Madame Karine Caprice. Bienvenue dans Jen and Jen Show. Merci, bonsoir. Nous là. Nous t'attendons. Parce que ça fait longtemps que nous attendons, donc pour arriver sur nous. Donc, c'est un plaisir pour nous accepter et servi avec ou gens nous pas servir hein? Ça nous pas exceptionnel ça va gagner malheur m'a dit rien merci pour l'invitation nous hein? Donc quitter en invitation ça fait de longues dates mais à travers des imprévus moi pas de cabinet mais nous pas de une explication aujourd'hui hein? C'est Jen and Jen Show mes amis. Alors nous connaissons toujours grand temps pour me saluer toute fanatique au Chili, Haïti, Saint-Domingue, ici au Canada, côté n'a fait émission noire et surtout nous saluons tout le monde qui est aux États-Unis. Merci pour leur shout out everyone in the US. Et puis continuez suivre nous à subscribe sur page Jen and Jen Show. Exactement, amis nous qui en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc n'a dit nous merci parce que nous fait nous confiance nous point dans nous n'a suivi l'émission nous merci pour bon commentaire que nous toujours fait encourager nous alors continuez partager l'émission dans vos collègues moi dit et n'a toujours côté bon bagaille pour nous. Alors Karine Caprice, encore une fois merci d'avoir accepté l'invitation ça pour venir dans Jen and Jen Show. Oui, avec plaisir. Alors premièrement t'as mais pour présenter vous à public Capgadini parce que c'est pas tout le monde qui connaît qui est qui Karine Caprice. Oui, effectivement, donc Karine Caprice, moi c'est une animatrice et puis moi j'ai Caprice Production, donc en compagnie de promotion d'événements, donc ça fait 3 ans déjà que moi souterrain, mais moi là ça fait longtemps aussi dans HMI là. Moi j'ai commencé avec les groupes locaux comme Passion Compare, Zénith de Montréal, Tikabzi. Donc, il y a de ça presque 20 ans peut-être. Donc, les pipo t'as commencé, moi t'es là. Donc, dans la salle Manoir Laurier, donc sur le bar ou à l'entrée. Donc, moi t'es là et HMI, ça fait longtemps. T'es venu prendre une pause. Après ça, t'es retourné en force. Donc, Karine Caprice, c'est une animatrice. Et puis aussi, t'es qu'on fait danse folklorique. Sinon, ça. Presque tout le monde te connaît dans le groupe Extase Haïquoise. Et après ça, moi, je viens de gagner un cours pour la promotion, pour l'entrepreneuriat. Donc, moi, je viens de prendre un cours de lancement d'entreprise et c'est l'ESA Caprice, je viens de mettre sous pied. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon parcours. Oui. Mais pendant que vous avez une introduction, ça a lieu vous-même, mais il y a un public là qui a demandé est-ce que Karine Caprice, là, c'est vrai, non? Et puis, donc. Mais Karine Caprice, c'est pas Karen, c'est vrai nom. Mais Caprice, c'est pas vrai nom, c'est nom d'animatrice moins, Livinier, la capricieuse. Mais Caprice, c'était un nom qui était composé avec un autre monde qui était avec dans Caprice là. Donc, Livin parle encore. Mais sur réseaux sociaux, moi, je viens de changer à ma manière et puis dans son spam. Donc, pour la capricieuse. Et mes capricieux et mes capricieuses. Donc, c'est comme ça, moi, je viens très plus caprice que j'en étais avant. Mais non, c'est pas vrai nom. Vrai nom de famille, c'est pas ça. Mais, soon to be, madame est-elle. Oh! On va changer de nom. Suspense. Oh, mais quand on dit ça, on dit madame est-elle, moi, je m'en ai. On m'en a là, même mon bag, notre Karine, là, mais. Karine, ça bague ça veut dire. Est-ce que c'est un bague de tous les jours ou bien bague on est pas là? La veine, la veine, ce là. Oui, bon, bague on est. Non, c'est pas un bague de tous les jours. C'est effectivement, c'est une bague de fiançailles. Oh, oh. Mais là, parce que nous, on va l'éclairer. Oh. Mais oui, bah, ouais. C'est ça, voilà. Samy?
Sérieux. Voilà. C'est très sérieux. Je souhaitais Jen & Jen show up dans l'événement ça parce que... Bien sûr, donc ça va être un bel événement. Bien sûr, un bel événement, les deux mondes rêvaient ensemble et puis ils ont décidé de vivre ensemble. Donc c'est un très bel événement. Wow. Donc, félicitations. Félicitations ma belle. Merci beaucoup. Félicitations. Donc, voilà. Donc, on va changer de nom. Oh, très rapidement, okay. Pas comme si ma mettait caprice dans devant ou derrière. Aïe, 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 des bagailles, oui là. Des bagailles. Oui, alors, ben, pour revenir à ça que vous avez dit tout à l'heure, vous parlez de caprice que vous fondez. Oui. Avec qui est-ce que vous avez fondé et puis en quelle année? Donc, Caprice a été formé en 2016. Okay. Donc, avec quelqu'un... au monde que je travaille avec, donc c'est Priscilla. Donc sur le nom d'aujourd'hui, Priscilla Lila, mais c'était avant Priscilla Caprice. Ok, ok. Donc voilà, c'était un nom composé, donc Karine Priscilla qui vient faire Caprice. Ok, ok. Mais malheureusement, en cours de route, donc il ne vient pas dans Caprice là encore. Donc, et puis, là, je fais des marches pour me connaître ça pour me faire. Est-ce que c'est pour me changer de nom? Le gouvernement m'a dit non, il ne faut pas changer le nom parce que ou son compagnie qui fait ou a bâti, ça veut dire souvent changer le nom ou a perdu toute notoriété. Popularité, notoriété que tu as gagné. Hein? Ça veut dire si tu as besoin de faire demande de subvention, si tu as besoin de faire une demande concernant compagnie, hein? M'a vin perdu année que tu gagné. Hein? So, il a dit comme ça que il a mieux pour que tu nom pendant 5 ans. Si après 5 ans, décider de changer, bon, on m'a changé, mais pour le moment, ce serait mieux. Et puis, je pose quelques questions. Qui est-ce qui t'a mis le sous-pied? Moi, je dis, c'est moi-même, avec une de mes amies, une de mes collègues. Et puis, je dis, mais est-ce que non, elle figurait sur le registre d'entreprise là? Mm-hmm. Moi, je dis, non, pas du tout. C'est uniquement Karine qui figure sur le registre d'entreprise. Ok. Alors, c'est non qui est enregistré seulement. Oui, c'est okay. Non qui est enregistré jusqu'à maintenant. Moi, tu mettais le nom Priscilla dans rubrique, mais ce n'était pas comme si partenariat. Mm-hmm. Okay. Et même, j'avais noté Jen, le nom qui est enregistré entreprise par nous, qui c'est Jen et Jen. Je crois que nous disons tout. Bah, il est enregistré, ça veut dire. Alors, c'est pas légal. C'est pas légal. Alors, c'est non, nous, tous les trois, nous-mêmes, nous te mettons, okay. Parce que nous avons un producteur, moi-même, et puis Jen. Pour comprendre, mais qui ça qui t'a fait que était non seulement qui t'a décidé sur le registre? Bon, justement, Jen, pour ce bagage-là, on parlait de un troisième monde. Mm-hmm. Parce que c'est vrai, c'est un troisième monde qui j'en fais non, il n'y a pas enregistré tout. Exactement. Mm-hmm. Mais normalement, Caprice est parti avec deux mondes, Priscilla et moi, Karine. Mm-hmm. Donc, ça faisait quelques années que j'étais avec peut-être un an et demi que nous étions ensemble. Mm-hmm. Mais c'est après ça, les vins quittés, que l'autre monde vient rentrer là-dedans. C'est pas tout de suite que nous étions formés trois membres. Donc, c'était deux, Karine et Priscilla, qui fondaient Caprice. Donc, troisième membre, non, vient quelques temps après, bien longtemps que Priscilla allait, parce qu'après ça, j'étais gagné. On dame qui est les Marjorie un petit voyage qui était vine ami avec et puis nous avons une belle complicité. Mm-hmm. Donc lui même ses voyages que l'a fait et puis nous dit comme ça waouh nous quand inclus voyage non Caprice là. Donc lui même les Priscilla aller il était vine aider Kimbe Caprice donc l'image de Caprice donc la femme professionnelle la mm-hmm. femme mm-hmm. de famille la femme de carrière donc on a là image Caprice là vine changer par rapport à Marjorie Nti Voyage. Donc, m'a tout dit un gros merci beaucoup aujourd'hui à Marjorie Nti Voyage. Donc, image Caprice l'envie de changer parce que nous t'étions en bagage sous nous qui te dit nous, c'est groupé nous t'étions parce que nous t'étions en balle tout le temps, nous avons fait photo devant jazz, nous avons tout musicien, nous avons tout artiste. Ça veut dire que nous avons commencé, voyez nous roche que c'est groupé nous yé, c'est musicien n'a pas marché remet avec musicien. Waouh, alors qui veut dire que n'a pas marché couché voilà. Avec musicien. Oh. Ah bon, alors qui mais l'air où dit nous, est-ce qu'on a précisé de qui donc, est nous? Le nom au début c'était Karine Priscilla. Après ça Marjorie vient entrer, yo t'es commencé effacer bagay groupien parce que t'es projeté en l'autre image. Mm-hmm. La femme de carrière, la femme de famille,
Tu as commencé à faire un pile live avec Marjorie, ça veut dire qu'on est Marjorie coquette, Marjorie toujours bien habillée, puis oui. Nous t'es très sophistiquée. Mm-hmm. Ça veut dire image groupe, puis on t'es venu un petit peu comme si baissé, et puis pas trop à l'emballe encore, t'es fonti posé parce que sur les réseaux sociaux, t'es gagné pile par l'empile que c'est parce que Caprice crasé, parce que c'est peut-être musicien, c'est peut-être n'a couché avec eux. C'est wow. Trop par l'empile. Kari, nous sommes dans un bagage là, on parle de groupe, que yo dit comme ça que et groupe n'a fait devant bal tout ça et eux même dit que nous coucher, nous tous les trois mesdames nous coucher à musicien à époque ça on parler. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai nous tous les trois mesdames nous t'en coucher à musicien, c'est vrai? Bon, dans l'époque là, c'était tous les deux. Après ça, m'a parlé de troisième. OK, non, OK. Après. Mm-hmm. Mais oui, on t'a dit oui, nous tous les deux mesdames nous t'a coucher avec musicien. Est-ce que c'est vrai? Donc normalement nous sommes belles femmes. Déjà là à la base, oh, oui, moi ça. Signé d'elle, ça moi c'est pas le tête moi. Mm-hmm. OK, bon. So. Et puis une balle oui. Mm-hmm. Moi son belle femme, moi belle femme marinette, Faut nous mettre position. Vous connaissez dans l'industrie que nous t'es rentré en, pas de femme qui t'es qu'on fait bagaille ça, promotion d'événement, pas de elle. Moi t'es là déjà, nous t'es là déjà, mais là nous venons rentrer en, t'es comme si nous venons rentrer en force. Ça veut dire moi-même, nous sommes bêtes de promotion. Ça veut dire sur Facebook, sur réseaux sociaux, c'est non-stop. Non-stop, m'a partagé. Mm-hmm. Ça veut dire t'es qu'on ouais nous en pire, ça veut dire en dans peut-être en 6 mois, ok, 9 mois. Yo vin konnen nou Caprice lan so. Tout moun ap rele nou Caprice. Caprice, deux mesdames, tout kote nou ye. Yo vin fè photo avè nou. So, c'est sûr et certain, deux belles mesdames, c'est sûr et certain que musicien apwen nou. Mm-hmm. Pas seulement musicien. N'importe qui garçon ka wè nou, yo ka remè nou. Mm-hmm. Mais, ça, c'est clair. Tout dépendant de comment yo wè ou agi, yo pral di, oui, c'est vrai ou te couché avec yo. Mais personnellement, moi-même, moi ka di que m'gen an pin moun ki te checkim. En pile musicien, en pile. Moi, son femme de famille, ok? Moi, son femme qui est très stable dans ma vie personnelle. Moi, pas parler dans le détail, mais coucher avec musicien de Montréal, international, whatever, moi-même, non, moi, pas coucher avec musicien. Mais si m'te gon ménage, le map dit ménage, non, ça veut dire, mon envie de check-in, pas dans le cadre artistique, dans le cadre autre que artistique. C'était ménagement lié, c'était un monde qui t'a checké avec, possiblement que nous qu'a dit ça. Mais côté comme si après bal, mal couché avec musicien, yo wèm dans chambre d'hôtel, yo wèm devant jazz dans ma beau avec musicien, non, jamais de la vie. Ou sinon yo wèm dans état d'ébriété que moi pas supposé, moi même personnellement pour mon nom à moi, non, ça peut pas arriver. Mais pour l'autre yo, ça, c'est eux-mêmes qui parlent répondre à répondre ça. Parce que moi, pas qu'à signer d'elle pour eux. Okay, ah, bon. Okay. Mais pendant qu'on parle de ça, bon, on connaît toutes sortes d'histoires. Vous comprenez? Qui a sorti. Même tandis qu'on a fait de Toronto, qui a circulé. Et. Oui, on a fait de Toronto. À Brossé. À Brossé. De Baïsal. Si vous voulez reposer des questions, si vous voulez reformuler des questions pour vous, wow. Il y a un pile de bruit, il y a des choses qui parlaient que Gonzac, des choses qui passaient Toronto. Est-ce qu'on peut parler nous de ça? Juste pour qu'on mette précision, pour qu'on éclaircisse nous sur ça qui est passé. Les points sur les. Donc, à Toronto. Normalement, Toronto, hein, c'était pour période Carifiesta au mois d'août. Aussi pour F. Caso, donc du 2 au 5 août à peu près, donc nous t'es monté Toronto. Donc c'est là ça, Jenny,
Il était venu dans l'équipe là peut-être. Jenny qui s'appelle bah, Jenny signé... Caprice. Excuse. Donc il était signé ça Jenny Caprice. Okay. Donc il signait Jenny Caprice sans demander l'autorisation. Bon, il changeait nom sur Facebook. Mais on connaît moi-même pas qu'à dire comme ça oh change ton nom. On a la Lelvin si changer nom là, il y a bien pensé mon prince a changé nom, il est pas dans l'équipe là encore. Mm-hmm. Bon le staff qui travaille avec moi, staff qui t'a travaillé avec moi dit là quitter de toute façon ces promotions là fait pour vous, quitter là avec nos caprices là derrière. So, ça fait quelques années moi te connais tout. Donc tout d'un coup, living back Montréal, OK? So, même tout moi là dit living back Montréal, je veux dire pas habiter Montréal avant. Non. Donc, Clio tourne à Montréal et vient back. Ça veut dire, son monde que je remets fougli, je remets comme si audace. Donc, son monde que je peux parler en public comme plus que moi, comme si je plus friendly que moi, parce que moi-même, son monde qui a un fort caractère, ça veut dire, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, moi, mamzelle, bon talent, ça veut dire, moi, je voulais prendre dans l'équipe là. Ça, je discutais avec elle et puis je me dis, sans penser, je me remets, comment il est, et puis ça fait longtemps que nous amis, ça fait au moins 20 ans que oh nous sommes amis. Ça, je me dis, comme ça, sans penser. Et puis, mamzelle, tes amis, l'autre l'entour avant, ça veut dire, effectivement, oui, nous étions en trio avant, dans le temps avant, qui vient séparer, ils viennent aller aux États-Unis. Et puis Kounia il était venu tourner comme ça tout d'un coup. Donc c'est ça, c'est peut-être ça que nous mettons dans l'équipe là parce que nous pensons que tu as un talent inné la Kylie. Et puis tu as fait entrevue, ça fait longtemps aussi pour festival. So, ça veut dire que nous connais talent, que tu es bon en entrevue, que tu es capable d'aller devant pour parler dans le micro. Et dis ok, oui, pas de problème. Mais mon seul bagage, moi, je te dis comme ça, on va rentrer dans HMSA en tant que femme, c'est très difficile. Moi-même, moi passé en pile bagaille, j'étais connerie les 10, j'étais connerie les dates, ça veut dire j'étais connerie les nous en pile non, pas c'était non, c'était non yo. Mais j'étais connerie les nous en pile bagaille qui pas de bon. OK, ces femmes pas bon nous t'ayez parce que nous t'ai rentré dans l'industrie comme ça. Moi j'étais avec elle, n'a pas tu du venu, puis me dit faut qu'on fasse attention à garçon. OK? Parce que gon gens pouyé, gon gens pour marcher. Ça veut dire même si ou joine en monde fait en bas, moun pa besoin konnen, pa vin fè bagay en public pou moun reconnaître que ou a fè une série de bagay devant moun parce que yo te konn rele m groupi déjà, mwen pa vle étiquette ça presque oublié que c'est ça peut-être nan image yo nou teye, mwen teye, yo vin commencé penser que peut-être Karim son ba sérieux la février parce que nous elle dans CPAM, Groove Motion, m'a ba un gros shout out pour Groove Motion. Sans la réaction, bon bagay net. Donc, c'est ça, t'as travaillé en pile. So, il me dit, ok, oui, pas de problème. Yes, moi la donne. Il me dit, seulement, est-ce que on a parlé avec Priscilla? Il dit, non, il n'a pas parlé à Priscilla parce qu'il me dit, comme ça, ah, ça parle fond jalousie. Parce que là, il me dit, pour qui ça, on choisit Caprice et on pas choisi Priscilla, il est là. Pas oublier, nous, c'était trois amis, nous, il faut faire attention. Mais spécifiquement, moi dire comme ça, fais attention à l'image. Pas prendre nèg moun, pas le chita en base, pas faire rien parce que Caprice a monté, Caprice non niveau là dans moment que l'a monté en pile, faut faire attention. Et puis oui, je suis capable de gérer ça, je suis capable de gérer ça. Et puis tu chita avec équipe moi, elle m'a dit oui, il est capable de gérer ça, OK, pas de problème. Là l'équipe m'a dit nous balle 3 mois probation. Ça veut dire dans 3 mois probation, on a regardé comment la parler, la pagie et avec Caprice. So, nous venons monter Toronto, nous venons il était venu dans radio CPAM dans AVM parce que nous t'a pas présenté couturière qui compte faire à moi. So, si nous aime belle comme ça, c'est Nadia Couture Shop qui fait belle. Bonjour Nadia. Bon, faut qu'on même porte ça parce que qu'on est sur mesure que nous baille faire à nous tout. Donc c'est ça, donc moi t'ai averti de toute bagaille qui était due pour femme dans HMI. Malheureusement, bon oui, nous t'ai venu monter Toronto dans Carifesta et puis bon, et ménagement t'ai venu rejoindre moi après, peut-être dans la soirée, mais il y a une journée effectivement t'ai appris une mauvaise nouvelle et puis c'est à partir de là que moi viens pas faire confiance comme si même gens parce que
moi dire comme ça moi t'ai dit ça pas agir en certaine de façon qu'il y a là moi well ou pas agir façon que me t'ai dit. Bon, on seul bagarre depuis tant là on va parler on va dire oui bon bagarre on bagarre. Précision s'il te plaît. Est-ce que oui. excusez. C'est pas grave. OK. Ça oui, faut mettre précision. Uh-huh. OK. On va parler d'un bagage qui passe. Qui bagage? Est-ce que ou ka di nous, est-ce que ka met ton précision sur bagage qui passe? Parce que moi on va passer à rebord, passer à côté, est-ce que ka vienne direct? Bon, il y a un petit genre direct, mais pas trop direct pour ne pas rentrer dans la personnalité. Mais okay. Bon, effectivement, nous sommes à Toronto, donc nous sommes loin en chambre. Nous sommes loin en chambre pour nous tous les deux, moi-même avec Jenny. Dans ce temps-là, elle était Jenny Caprice. Donc nous sommes loin en chambre, moitié, nous payons tout le bagage ensemble pour aller dans Carrie Fiesta et puis pour aller dans FK Zoa. Donc ça veut dire nous sommes dépensés selon la poche nous. Pour caprice, pas selon le monde qui a vu bon nous cobre pour nous payer à faire. Nous sommes décidé, ok, nous avons mis moitié. Karine, Jenny, nous avons mis ensemble pour aller à Toronto, nous louer chambre, nous tout bagaille, nous vivons dans l'hôtel, dans belle bagaille net. Mais nous avons 11 amis qui ont vu une bonne situation dans l'hôtel Pal. Il n'est pas dans l'hôtel Pal, non? Il était dans l'hôtel Pal. Bon, il vient relayer parce que bon, nous avons échangé avec lui dans les médias à tout. Pas nommé non. Il était dans mes dents tout, il vient reler, il dit ah Caprice, mon grand problème dans chambre oui, je dis qu'est-ce qui se passe? Donc il me explique un bagaille là, je dis qu'est comment faire était dans l'autre chambre là, c'est pas possible. Mais Kounia me dit comme ça, mais moi pas connaît parce que mon petit Jean avec un autre fille et puis copain là vient ouais. So ça veut dire moi pas vraiment recevoir. Là, comment pour recevoir, il dit comme ça, bon, il n'y a pas vraiment de machine. Elle dit, bon, je parlerai les copains maintenant, je vais demander si c'est possible pour mal chercher, pour venir faire une petite blague avec nous. Nous pas nous jouer quatre, nous avons une petite blague et puis après ça, on va décider ça pour faire. Quand on a vraiment, les copains maintenant viennent dans l'hôtel là. Donc, on va chercher les amis maintenant. Quand on a là, non blague, nous avons boîte du vin, bagaille. Et puis bon. Copain m'a dit comme ça bon il pas qu'a conduit la tour était là avec tiquette qu'on aime quand l'autre dit dans chambre dans tout bon je vais voir si c'est possible bon vu que mon, vu que c'est copain mouillé c'est pas grave mais dormir avec pas un problème c'est ça. Puis là non soirée nous tous les deux n'a dormi nous tellement fatigués nous t'es conduit ouais et nous t'es route là t'es fatigué mon pile et puis lui même tout il t'es fait route là avec Zamil bon, et puis nous t'es fait une boîte du vin et puis nous tout dormi aller avec nous mais non dormions comme si nous entendons bruit comme si on bat la rivière en de l'eau en bruit de l'eau quand on bruit la rivière l'air sous Gouin et vous entendez le ruisseau les canards et même t'entendez un petit de l'eau qui fait un bruit me dit qu'est est-ce que c'est moi qui a laissé l'eau ouverte quelque part ou qu'il y en a enfin point chez eux ils me conseillent puis tek et copain me conseille me dit t'entends pas le bruit de l'eau qui coule? Ah, non, j'entends rien. Ok, bye, fait lui-même il dormi. Kounala, il me dit, même pas quitter de loin. Kounala, marche tout petit comme ça. Et puis, mal dans la toilette là, et puis, tant de bagaille qui pas tellement ferme plaisir, qui pas ferme plaisir parce que m'étais déjà averti, fais attention, pas rentrer dans ce genre de situation que oh on mette comme si nos positions dans mes dents qui très mal à oh l'aise. Oh my god. Mais peut-être que ben mon ça tape bien parce que des fois qu'on est fait chaud ou bien avant d'autres. Oui, parce que c'est l'époque à la fiesta. C'est normal qu'il fait chaud. C'est normal que quand il fait ça pour commencer, c'est nous fait crever dans l'hôtel. Mais t'as bien pour l'aller. Non, pas bien, c'est robinet. Ah, et donc le robinet, ok. Robinet, ça veut dire moi-même, moi vu une paraître, moi, yo pas même. So yo poko connaît que moi ouais yo so ouais okay. Mais deux monde ka pay enjoy yo ka pay enjoy y a pas enjoy la vie moi c'est pour saisir ça fait ma paix des bois pour ça mais moi pas là pour me juger personne parce que moi j'étais jeune tout avant donc leur jeune ou grand genre frivolité mais leur entrer dans série de l'âge et de bagaille même sous pas dans les médias ou pas rentrer là-dedans yo. Ça veut dire moi-même moi t'ai averti mademoiselle de bagasse. Le lendemain matin,
moi dit ou ça puis il a pris non je dis non c'est vraiment pas drôle moi vraiment pas prendre tu vas devoir gérer ça si vraiment on va gérer avec personnalité ça fais le pas public ça veut dire me dit viens accepter ok c'est arrivé fine mais Kimbel en bas pas vin en public avec wow. La Kimbelé à beau à ceci à cela. Eh bien là sans découper parole nous car il pas dit découper non alors c'est les autres ça qui fait manger pas dans caprice encore. Donc normalement nous te bal 3 mois de probation donc le mois de novembre moi songer à toute équipe là pas décidé pour compte moi parce que me une équipe DM qui t'a prendre décision avec sur moi t'es besoin d'être neutre pour me pas mettre amis et puis avec personnel. Bye bye. Moi viens dire comme ça, OK, moi ben en période de pour la réfléchir 2-3 semaines, moi dire le 15 novembre, la réunion c'était le 16 novembre. Donc à la réunion, on va prendre une décision si tu vas rester ou si tu vas pas rester. Donc ça veut dire équipe là, moi te dis équipe là, on nous suit lui. On nous voit comment façon la marcher dans le public. Ça veut dire moi pas vraiment dire bye bye tout de suite. Et en plus la personne habitait avec moi dans le moment parce que c'était un peu difficile à gérer. Ça veut dire, mon disait, ces amis, ça fait 20 ans, donc moi, je viens de balle en position quand même dans Caprice. Quand même, je gère les amis, je gère les professionnels. Je viens d'un petit genre comme si très bizarre. Donc, Stéphane Abel, donc merci beaucoup parce que Stéphane Abel t'a aidé mon pile sur ça. Donc, Stéphane Abel, c'est un membre dans Caprice. Qui s'occupe de tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est les lettres pour envoyer à l'entreprise. Le registre des entreprises, c'est lui-même qui était géré. Il était géré en pile bagaille pour moi. Si nous, ouais, m'a écrit de séries de belles textes, belles bagailles français, sans faute. Donc, c'est Stéphane Abel qui était écrit textio, mes capricieux, mes capricieuses. C'est lui-même qui était venu à Velle. Donc, pour nous faire un petit changement pour Caprice. Donc, voilà. Merci Stéphane Abel. Pour ton bon travail. Donc, toute équipe là te dit, Karine, non, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, comme on entend des bruits dans la rue, l'image de Caprice n'est pas bon, comment ça se fait, la personne se promène dans le public avec telle, telle personne. Ok, mais moi-même, ok, ça que je voulais comprendre, est-ce que c'est à partir de événement ça que on va le débouler ou bien? Ou bien c'est qu'il y a l'autre événement tout qui vient c'est passer ça, c'est ça. Parce que tout à l'heure on parlait ou dit après événement ça ou mettez chita ou parler avec oui, ok oui. Et puis ou passer éponge alors qui veut dire que on pas quelque autre bagarre qui vient fait qui vient arriver que vient nous que équipe capricieuse vient prendre décision mais c'est sûr et certain parce, c'est sûr et certain parce que bon j'en pouvais tout le temps ça veut dire équipe là t'as surveillé c'est fait et geste ça veut dire en public nous te connouer avec mon nom tandis que moi te dire non en public il était con à Kimbémé à mon nom tandis que me te dire non c'est pas ménage ou c'est pas mari ou la société ou les médias ne reconnaît pas telle personne ça veut dire qu'un parole en pile le groupe y a recommencé ça veut dire Karine aussi est là-dedans Karine aussi encore une fois a sorti avec musicien Karine a sorti un garçon qui marié à gagne qui marié. Il y a talon aime encore, talon aime jusqu'à ce que ben là, je ne suis plus capable, là, c'est pas normal, un autre encore. Non, ça, à un moment donné, on a dit c'est assez. Puis de toute façon, il dit comme ça, oh, ça ne m'intéresse pas de venir à la réunion. So, c'est tout fini là. Je lui ai dit merci beaucoup pour ton bon service. Et puis voilà, et puis c'est cette journée-là que moi dit que il n'est pas possible pour Caprice. Et puis oui, il texte le lendemain, il dit qu'est-ce que je vais faire avec le nom? Est-ce que je le garde? Ou est-ce que je le garde pas? J'ai dit, pour pas faire du bruit sur les réseaux sociaux, c'est mieux que tu le changes le 1er janvier. Comme ça, ça va me laisser du temps pour faire une autre sorte de promotion parce que t'es pas là. Malheureusement, elle a fait exprès. Encore une fois, elle a changé le nom tout de suite. Living Relay, Jen, Novation. Ça veut dire, elle m'a donné encore un autre problème. Oh, comment ça se fait? Elle est pas là-dedans. Est-ce que c'est parce que bah, elle est au arrivé? Est-ce que c'est parce qu'elle était avec tel, wow. Tel et tel? Encore une fois, on m'envoie des roches à moi, tandis que c'est pas moi qui a fait quelque chose de mal. So, c'est très difficile de gérer une compagnie en tant que femme. C'est très, 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 très difficile. Yeah. Donc, c'est ça. Oui, et puis bon,
pas qu'on souffre une parler de ça, parce que j'ai une autre question. Ou parce que en même temps, nous t'écoutons well, ok? Pendant un bon petit bout de temps, non chaud qui relève sans les. Oui, oui, effectivement. Parce que nous t'écoutons well à pas animer, moi à plusieurs reprises. Quelques temps nous pas well. Quelques temps nous, parce que nous sommes jeunes. Nous connaissons avec l'équipe sans limite à côté de nous, chita à recevoir, on a boire du vin, même gens que nous avons fait là. Et puis, je suis venu comme ça, et puis, je ne parle pas encore, parce que nous sommes associés avec eux, bien sûr, nous travaillons avec eux. Est-ce que vous pouvez expliquer nous le partenariat ça, sans limite, ce n'est pas ton partenariat, c'était Karine Caprice qui était en collaboration avec sans limite. Oui, c'est ton collaboration. C'est ton collaboration. Donc, pour que ça, c'était venu en collaboration, parce que mon terrain mais Fugio mon terrain mais Jean yo t'a travaillé là et puis Richie son monde qui remet tout le monde ça veut dire ça c'est vrai zami pas bon bagaille bon bagaille j'ai des problèmes à mon exactement respecte mon terrain mais ça la cagne en pile puis son c'est un homme qui est de retrait il est très posé c'est très vrai. Tranquille ça veut dire là la palaveur il est très gentil ça veut dire mon terrain mais ça la cagne et puis Mirland aussi c'est quelqu'un qui est très non, tout va bien aller, allez, let's go. Qui est positive. Elle est fonceuse. Elle est fonceuse, qui est positive. Ça veut dire, on vient rencontrer avec eux dans le festival International Musique Créole de 2018. Et puis, nous venons faire une collaboration, nous venons poser artistes aux questions, tout ensemble. Ça veut dire, nous toutes, t'es remis travail, une autre. Ça veut dire, ok, bon, on vient chita avec eux un jour, et puis on va collaborer, Karine. On ne sait pas vraiment pour combien de temps, mais on collabore. Mais avec toute bagaille ça yo qui t'est venu passer dans Caprice là, toute bagaille mélangée, je me sentais pas à l'aise devant la caméra du tout là, moi je me sentais comme si vraiment gênée devant la caméra. Je me mettais en opposition, faut me prendre décision pour me faire un petit retrait de toute bagaille. Ça veut dire que tu es obligé de prendre décision ça pour me pas dans sans limite encore. Ça t'est fait mon bagaille parce que j'étais quand même habitué avec yo et puis non, sans limite pas fait rien. Toujours pas la veille. Puis... Bien content de préciser ça parce que les nous étions comme ça, nous pas ouais, bien bruit courir, oui, c'est mettre que vous mettez dehors non. Et que vous parlez pas, que vous parlez pas avant. Non, du tout. C'est pas monde comme ça et puis vous pas mettre dehors, pas de la donne, c'est juste moi-même qui t'ai décidé comme moi, pas paraître bien, ma fond s'y poser puis ma concentrer seulement sur radio. CPAM 1410 pour le cocktail musical parce qu'on est animatrice dans le cocktail musical hein, pour CPAM 1410 avec Stéphane Nopapévon, là on est elle. Donc je dis, je vais positionner mon seul côté, mettez tête mon seul côté parce que tu es trop pas l'empile. Je dis non, c'est assez, il faut que je me positionne une seule place pour que le caprice reste solide encore. Mm-hmm. Et puis c'est ça. Okay. Ouais. Wow. Mais effectivement, je t'ai conmené Jenny. Ah, Jenny, ça, non? Ah, Jenny, oui, qui t'a révélé Caprice. Oui. Jenny, qui t'a signé Caprice, là, dans le temps, dans sans limite show. Donc, moi-même, son monde. Oui, c'est vrai, je te connais l'avant. Moi-même, son c'est monde, les maveurs, comme si ma voix net. Ça veut dire, dans tout ça, je vais bénéficier quand même de tout, comme si ça me gagnait, ça me possédait. Ça veut dire, moi, je connais le bon talent, le bon talent. Ça, je ne vais pas tirer dans le bon talent. Mais, avec les choses qui se positionnaient, nous te connaissons dans le public, donc nous te venons prendre décision en tout pour nous te dire sans limite. Malheureusement, avec ce qui se passe, elle est plus dans Caprice, donc elle a quitté ça tout pour Jenny, pour sans limite, pour rentrer dans sans limite, parce qu'il y a trop de circulation qu'elle a faite. Je ne vais pas ça. Pour mon image, pour ma personnalité, ce serait mieux que lui-même tout n'y pas dans sans limite. Et puis, elle était venue accepter. Ils ont accepté le choix. Non? Et puis, nous, pas ennemis, nous, toujours qu'on a parlé, nous avons salué nous l'autre. Avant hier, on parlait à Mirland. Ça veut dire, pas de problème avec pièce monde. Sans limite, bon bagaille. Je suis toujours supporté. Et puis, si vous besoin, je suis toujours là. Mais pour le moment, je suis vraiment concentré, comme si avec l'animatrice Karine Caprice et Caprice Production et CPAM 14. Alors, Karine, nous t'avons aimé connaître, selon Jean-Mi, si vous êtes ensemble avec ici, la Lila. Qui raison qui fait amitié sa vie pour une rupture? Wow! Ça, c'est une grosse question, oui, parce que la question, ça a un peu volé la donne. Mais... Ok.
pour qui ça, amitié, nous devons finir avec, mais vraiment, c'est quelque chose de très, très, très personnel. Mm-hmm. Okay. Moi, vraiment pas qu'à rentrer dans le détail ça, parce que il y a un petit genre compliqué pour nous venir expliquer devant caméra. Mm-hmm. Mais amitié, moi-même avec, c'est ton amitié de 20 ans. De 20 ans. Wow, en pleine année, c'est bien, ça fait de longue date. Et puis, in and out, hein. In and out. Nos amis, nos pas amis encore, nos amis, nos pas amis. Et bien, son monde qui était toujours comme zèle, comme si sous elle, moi, dans certaines de situations. Et puis, moi, quoi que les vignes mélangées, comme si professionnel avec personnel, Livine fait comme si un bouillon qui sue, qui pas bon encore ou pas qu'à manger. Nos poissons crasés dans le bouillon. Ah ouais, Livine pas vivable du tout, ni professionnellement parlant. Et puis, amitié en vine crasé net après une situation qui est arrivée très grave, malheureusement. N'aime pas qu'à expliquer nous les détails. Mais amitié en vine crasé, ça fait peut-être 3 ans de ça, en situation qui est arrivée. Et puis, professionnellement, moi pas de dire quitter Caprice, moi pas de jambe dire quitter Caprice. C'est un jour comme ça, moi levé et puis il changer nom sur Facebook sans avertir, sans dire rien. So, il okay. Prend décision pour compte lui sans demander bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste avec toi quand même si on n'est plus amis? Non. Il était décidé changer nom, ça vient vraiment pile problème sur internet parce que nous connaît de vous mettre en barrière sur les réseaux oui, sociaux. En effet. Tout le pays le sait, toutes les régions, toutes les provinces, tout ce qu'on est, qu'on aime. C'est-à-dire, il était venu mettre en position. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais pendant qu'on va parler de ça, parce que moi-même, je songeais que l'été qu'on a gardé et promotion Karine Caprice, c'était toujours. Caprice nous là. Ouais. C'était Caprice nous là, tout, comme si nous là tout côté. Tout côté nous là. Mais moi, Priscilla, noni c'est Priscilla Lila. Comme si moi, li comme sonnait un peu. Est-ce que ça a été bon problème le fait que li maintenant le Priscilla Lila et puis avant c'était Caprice nous là? Ben, Livine, bon, mon petit Jean. Problème et aussi que non t'es composé de nous tous les deux. So, ça veut dire l'aimé vu notre Stéphane Abel qui est mon bras droit dans Caprice. Il t'est venu avec mes capricieux et mes capricieuses parce que nous t'es venu ouais. Mais pour qui ça Lila? Avant c'était Caprice nous là, nous toujours là, moi là, Biou là, c'est Caprice nous là. Tout n'est là le vient changer non la Priscilla Lila. Il semblait un petit peu. Donc c'est ça, comme moi t'ai dit notre alliance, m'tirer les registres des entreprises là. Caprice, c'était Caprice nous là. Donc nous toujours là, nous tous côtés, on a pris photo, on a fait ceci, on a filmé. Dans le temps, nous pas de gros comme si caméra, c'est avec petit téléphone, on a filmé, on est partout. Et puis c'est ça. Donc c'était Caprice nous là. M'tirer les registres des entreprises là, je dis non, moi, c'est possible de changer le nom, mais ça va pas être bon pour vous, madame, de changer le nom. Jusqu'à présent, que ma parle ensemble avec nous, c'est toujours Caprice Moula. Moi, je viens rajouter, entre parenthèses en bas, autre nom, la capricieuse Caprice Production. Parce que moi, je pas voulu changer nom, advenant que bon, par magie, Caprice vient gros, parce que ça ne me pas connaît. Moi, je besoin de faire demande de subvention, moi, je besoin de faire une demande, et puis il n'est pas possible, je me dis, madame, mais ça fait un an que vous avez la compagnie. Là, maintenant, je pourrais dire non, ça fait 5 ans que j'ai ma compagnie. Mm-hmm. Tu comprends, ça fonctionne comme ça. Voici qu'est-ce que j'ai fait, voici, voilà. Donc, c'est peut-être un pas de jambes changer non, mais mademoiselle vient changer non. Donc, Priscilla Lila. Mais Priscilla Lila, Caprice Nola, c'est quelle différence que c'est. Mm-hmm. Donc, comme Stéphane Abel, c'était mon bras droit, il est très bon dans la matière de la langue française. Donc, il a trouvé mes capricieux et mes capricieuses. Donc, on a trouvé un slogan et puis nous quitter le marché comme ça. Mes capricieuses, caprice, la capricieuse, elle fait toujours des caprices. Donc, nous venons faire en bas, elle vient dans l'autre gens, à mon avantage, à moi, puis à l'avantage de l'équipe qui travaille avec moi. Mm-hmm. Mais nous remarquons tout, comme tout à l'heure, on dit nous pour ça que ça fait quelque temps que
des années que ou animatrice. Mais nous te recevoir yon l'autre animatrice sur plateau nous qui était Marie-Claudine. Tandem qui te dit nous que dans l'émission sur le cas repassé, il faut qu'on éclaircisse ça parce que nous te dit comme ça que ou pas animatrice. Non, émission ça me t'écoute. Ou t'es entendu? Émission Marie-Claudine. Alors, faut qu'on éclaircisse ça. Parce que bon monde qui voyait parti ça bon moi-même. OK, OK. Il dit que me pas en animatrice, on va pas répondre sur les réseaux sociaux. Alors, faut qu'on éclaircisse. Donc je suis animatrice, ça fait plusieurs années. Moi, j'ai commencé dans CPAM 1410. Pourquoi moi, j'ai commencé dans CPAM 1410? C'est Jacques Trouillot, merci Jacques, Jacques Trouillot, qui était en monde dans CPAM, qui était qu'on fait en émission le matin de 10h à midi, donc qui était besoin, non, tout artiste. Donc, vous connaissez Caprice Moulin, t'es fait chemin, c'est Caprice tout. Partout, on connaît tout le monde, donc tous les artistes voulaient venir nous voir pour que nous faire promotion pour eux. Ça veut dire que tout artiste, nous avons une base de données, Caprice là, qui a tout nos artistes numéro de téléphone, ça veut dire je peux le transférer à quelqu'un d'autre. Ça veut dire Jacques Binrelim, oh, un tel a besoin d'aide pour la liste des artistes de Montréal. Vin rentrer en contact avec elle, et puis nous chita, nous parler, et puis finalement, mal dans la radio, et puis le propriétaire de la radio, c'est quand même 1410, m'a dit « Mais pourquoi tu n'essayes pas? » Moi, essayer dans le micro, mais non, je suis trop gênée. Effectivement, j'étais tellement gênée. Puis, c'est même journée, hein, tu as rencontré, c'est même journée, hein, j'ai pris le micro, puis j'ai commencé à être animatrice. Ça veut dire ça fait plusieurs années que je suis animatrice. J'ai commencé à CPAM 1410. Après ça, j'ai été faire une autre expérience avec Son Laria Show. Son Laria, bon bagay. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Parce que Son Laria Show, parce que j'aimais tellement comment Jubi bougeait, il allait partout. Et je dis, quête, moi aussi je veux bouger comme ça, comme si, quoi, je vais faire une petite expérience. Parce que mon yon plaide dit que j'étais ici, j'étais là-bas, j'étais ici, j'étais là. Mais dans la vie, il faut quand même faire des expériences. Pour comme si à un moment donné pour venir réfléchir pour venir chita, ok, là il faut que je me positionne. Je suis rendue comme si moi du un niveau dans vim que faut me positionner qui ça m'a fait. Mais Son Laria m'a donné beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Groove Motion m'a donné beaucoup d'opportunités. Sans Limite Show aussi m'a donné plein d'opportunités. Donc merci à tout ce monde là, tous ces médias là. Mais ça fait des années que je suis animatrice. Je pense que je suis la première femme, pas animatrice, mais dans le petit industrie, le milieu que nous connaissons, qui était dans CPAM, qui commençait dans CPAM 1410. C'est après Priscilla Caprice, dans le temps, t'es vin fait chaud dans cocktail musical là. C'est après moi. Mais c'est moi qui a commencé à être animatrice. C'est ma première chance pour être animatrice à Montréal, c'est CPAM 1410. Tout bagay réglé. Tout fanatique ou l'auteur des vérités, à ou étirer de doute là dans tête. Alors, bon, tout à l'heure, on parlait que vous écoutez l'émission Marie-Claudine, mais on connaît tout, et Priscilla Lila qui est passée dans l'émission. Est-ce que vous écoutez l'émission ça? Et si oui, qui sont tes pensées de l'émission? Non, moi, franchement, sincèrement, moi, pas de toute émission. Et puis, moi, pas de même connaît que tu es dans l'émission noire. C'est petit à petit, Tu ne trouves pas jamais qu'on pas jamais écouté. J'ai jamais écouté l'émission jusqu'à aujourd'hui. J'ai peut-être cliqué puis j'ai vu comme si son gestuel puis une façon qu'elle expliquait les choses, j'étais comme je vais m'abstenir, je vais pas l'écouter parce que je vais parler sur émotion, je vais faire de l'émotion, je l'ai pas écouté. OK, c'est on journée comme ça, on a fait des activités nous la cala et puis Jenny dans le temps Caprice qui vient dire va écouter cette émission-là de Jen and Jen Show. Priscilla a lavé ton dos. Comme ça, elle t'a dit. Ouais, Priscilla t'a tout lavé ton dos au complet. Là, je dis Jen and Jen Show, comme ça me dit quelque chose. Après ça, j'ai vu rien. C'est pas de timide dame, yo. Excusez-moi. De timide dame qui m'ont fait photo avec eux dans le vidéo de quand j'avais été quelque part, là, je me souviens pas. Là, j'ai été regarder exactement la conférence de presse de Rachel avec Samuel. Samuel Dieudonné, bon bagaille. Puis là, j'ai dit, mais non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Elle n'a pas fait ça. Pas
écouter l'émission du tout. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je vais pas l'écouter, parce que si je l'écoute, qu'est-ce que je vais dire? Les informations que moi aussi, je peux dire, il y a plus de répercussions. Ça veut dire, des fois, il faut réfléchir pour le silence est or, est d'or. Faut faire silence, faut pas parler, puis mon nom calculer que quête, moi, apparemment, je n'ai pas répondu, moi, apparemment, je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé jusqu'à date. Et jusqu'à maintenant, ma jambe toute émission. Oui, mais pardon, pas jamais écouté émission. On m'a dit, c'est qu'est-ce ça. Qu'elle a dit. Exactement, mais qui est-ce, mon Dieu, qui s'accueille dire? Oh, plein de personnes m'envoyaient des textes sur Facebook, sur WhatsApp. Alors, mais sur Dino Jenny. En plus, on a écouté émission. C'est ça, ça veut dire. Mais les Dino Jenny qui étaient dans Caprice avec la qui est la première. Elle m'a pas appelé, on était à la maison. Parce qu'elle aussi, je l'avais pris sur mes ailes, elle était chez moi. Elle était chez toi aussi? Elle habitait avec toi? Elle habitait avec moi à un moment donné. Ça veut dire, on était à la maison, on faisait nos activités, on a pris un dans nous. Puis elle est souvent sur son téléphone, je ne sais pas vraiment. Elle m'a dit, Karine, qu'est-ce que c'est là? Laver ton dos. À laver ton dos. Fini. Elle n'est pas dit sous. Va l'écouter. Wow. J'ai dit, qu'est-ce? Dans quelle émission qu'elle a fait ça? Comme, pourquoi qu'elle aurait fait ça? Comme, elle n'est plus dans Caprice, ça fait presque un an déjà. Mais pour que ça, elle va retourner sur des choses du passé encore une fois, encore. Elle va aller blaser devant tout le monde. Je dis, mais dans quelle émission? Oh, dans les émissions, Jen et Jen, deux filles, là. Des deux filles? Mais non, quelles deux filles? Là, je vais regarder Jen et Jen. Je ne connaissais pas vraiment votre nom par cœur. Je dis, mais j'ai déjà fait une photo avec ces deux filles-là, quelque part, dans une affaire. Je dis, mais non, mais pourquoi qu'elle aurait fait ça? Ça veut dire, c'est elle. Elle a profité d'une situation pour blaster quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bon. Ou bien, au monde, ou bien, doit avoir tout problème avec au monde. Pas zami mon corps, good, fine. Zami écrasé, c'est correct. Mais professionnellement parlant, ou pas gain droit à une blasime. Parce que moi, comme Caprice, c'est mon bébé, là, c'est mon autre bébé. C'est qu'est-ce que moi j'ai décidé de bâtir pour laisser quelque chose, une marque de commerce. Ça veut dire, je sors dans la rue, tout le monde m'appelle Caprice. Même moi-même, des fois, j'oublie si c'est pas mon nom de famille. Ça veut dire, j'ai travaillé pour, j'ai bâti jusqu'à maintenant, ma travail fort pour non ça, rester clean, rester propre, tu comprends? Ça veut dire, pour oui, ça, on va le blasim professionnellement, parce que nous pas amis encore, il n'y a pas fait sens. Ça veut dire, on vient tomber en monde qui n'est pas professionnel, pas qu'à travailler avant. Donc, c'est comme ça que ça a terminé malheureusement en queue de poids, comme ils disent. Mais présentement, je vais bien. J'ai beaucoup de projets qui s'en viennent. Beaucoup de choses positives dans ma vie. Ça veut dire ça, c'est dans le passé, on continue de l'avant et puis on n'a pas avancé. Oui, ben positif, on met ça. On est bagarre. Bon, à part de ça qui est extrêmement positif, oui. Mais qui l'autre projet que vous travaillez sur Yola qui a vini? C'est sûr et certain que présentement, je travaille avec Lionel L. Surtout pour le Festival International Musique Créole. Mm-hmm. Je travaille dans CPAM 14-10 pour le cocktail musical. Faut nous pas bien mentionner, et c'est le 19, 20, 21 juillet 2019. Là, faut que nous là. Donc, c'est ça. Donc, ma travail avec elle. Malgré ça, il y a dit de lui, son monde qui baille, mon chance en pile. Ça veut dire une bonne opportunité. Ou frappe et pote l'an, ouvelle. Ça veut dire. Fort été loyal, fort été comme si lui ou moi travaille et puis vice versa, c'est je donne, tu me donnes, je donne, tu me donnes. C'est comme ça qu'on travaille ensemble. Donc, lui vient de bonne opportunité dans CPAM, non? Qui a ouvert beaucoup de portes pour moi dans l'industrie de l'industrie de la musique haïtienne. Mm-hmm. Donc, très intéressant. Très intéressant. Donc, bientôt prochainement, je vais avoir mon show à moi, mon émission à moi. La capricieuse, mais je ne vais pas donner le nom. La suivre. Ça va être en coulisses. Donc, sur la radio Musique Créole, la radio de Lionel L. Donc, notre radio à nous tous parce que je suis la seule femme. Donc, je suis la reine au milieu de toutes les lions qui vont être là. Donc, un gros merci à Lionel parce qu'il faut toujours croire en l'esprit d'équipe. Même si vous le voyez, il ne parle pas beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui croit en l'esprit d'équipe, c'est quelqu'un qui croit dans les talents. Puis il
m'a donné une opportunité, et puis moi, je l'ai pris, et puis c'est ça. Et puis, la loyauté, c'est quelque chose de très, très, très important, mm-hmm. surtout lorsqu'on travaille ensemble. Toi, tu travailles avec elle, vice-versa, oui. vous êtes loyal ensemble, vous avez mm-hmm. le respect, puis c'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Tout autant que vous avez respect l'un pour l'autre, dans n'importe ça, vous fait, mm-hmm. et laisse ça, vous voyez que vous arrivez au sommet. C'est mais ça. Si vous avez respect, vous avez confiance, tout le monde a arrivé dans la route et puis il a pris notre travail en fait. Exactement. Puis il y a aussi, excuse-moi de te couper, il y a aussi, nous connaissons fait mannequin. Oui, c'est vrai, moi je suis ça. Au bon sujet, il y a tout rad d'achat, il faut s'échanger, rad billet, rad photo. Tout ça. Donc très prochainement, j'ai d'autres projets aussi pour ça. Vous m'avez vu, j'ai été critiquée beaucoup pour une photo, pour une photo oui, que vous mettez. À culotte soutien. À culotte soutien. Mais il fallait nous laisser. Photo à culotte soutien, c'était pour une bonne cause. C'est pour l'estime de soi de la femme. Ça veut dire, l'arrivée en certaines de positions dans la vie, ou soit vous venez de monde, ou venez changer de travail, ou venez femme de carrière, ou une femme au foyer. Ça veut dire, est-ce que ton estime de soi reste pareille? Est-ce que vous remettez tout vraiment à nu? Moi, je suis lâché de moi, je suis lâché de moi, photo ça, je suis saisi. Nous faisons saisi. Car il est parti pour la bonne photo comme ça. Pour qui ça le fait ça? Nous te posons des questions, mais tu as une raison. Il y avait une raison. Et puis, est-ce que vous remettez tout comme à nu? Bon, oui, dis ça, oui. Oui, à nu, à nu. Est-ce que vous remettez tout à nu au complet? Ça veut dire, je me regarde. J'ai des marques de grossesse ou j'ai quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui est resté dans ma tête, puis je me regarde dans le miroir, puis je dis qu'elle est en forme. Et oui, c'était ça. Pour ça, l'entrevue, il y avait plein d'autres femmes qui ont participé, des femmes qui ont subi la maladie, le cancer, des femmes qui se sont séparées après des vingtaines d'années, des femmes qui ont perdu leur enfant. Il y avait beaucoup de choses dans ça que les gens, ils ont juste vu qu'ok, elle est en culotte et elle est en soutien. Non, c'est pas ça qu'il faut voir. Des fois, il faut prendre le temps comme si de lire. Comme j'ai mis une photo, mais il faut lire en haut qu'est-ce que j'ai écrit, parce qu'une photo, ça vaut mille mots. Il faut prendre les petits détails. Parce que j'étais courbée assise sur une chaise, comme ça, mais ma tête était élevée en haut, puis j'avais la force, j'étais ferme. J'étais fonceuse, dans mes yeux, j'avais un regard perçant, j'avais un regard qui dit oui, je suis une femme, puis je suis capable. Il faut voir tout ça. Mm-hmm. Donc, c'était pour sa photo. Hein. Une seule photo veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc, mais un autre projet à venir. Ça veut dire l'autre photo encore. Non, pas peut-être pas nu, pas en soutien, en culotte, mais okay. D'autres photos dans d'autres magazines très prochainement. Mm-hmm. Ah, dans des magazines. Faut nous rester branchés parce que Karen a pour pas quelque chose à la montée, la montée, la montée. On a une autre chose tout le temps. Mais en même temps, tout à l'heure, on va parler de Lionel L. qui va où une opportunité. Soit on ne va l'inviter dans l'émission, oui, j'ai ça découpé par un lot. Ah oui, parce que soit on est qui travaille en pile dans la communauté. Ça fait longtemps, parce que moi-même, ça fait longtemps que m'attendais, non, Lionel. Mais qui genre collaboration ça quand même, parce que tout à l'heure on parlait de ok, on travaille avec tout ça, mais qui genre collaboration ou même avec fait qui fait que ou animé même cocktail musical, c'est ça, cocktail musical à chaque samedi soir. Mais si on l'est ensemble, t'es venu relayer Stéphane parce que qu'on aime, t'es avec Nadia à Marseille, et puis me dit j'ai besoin de promotion, je fais la tournée de toutes les radios. Donc, ça veut dire, je vais à radio ici, je vais à radio là-bas, mais pas canon maintenant. Pour la promotion, ça veut dire, j'ai appelé, j'ai dit, Stéphane, j'ai besoin d'une entrevue parce que, tu sais, je suis mannequin, je porte les linges d'une designer de Montréal, c'est important pour moi. Est-ce que tu penses que tu peux me donner une entrevue à CPAM? Il m'a dit, je vais demander à la Honnelle avant. Puis, je sais que, il t'a dit, la Honnelle en pile bagaille sous moi qui pas vraiment vrai. Ça veut dire dans sa tête aussi, la Honnelle avait un petit peu de réticence dans le temps vers moi. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup ce que tu fais, il te suit, il t'observe. Ça veut dire, les gens comme observer, puis là, il a dit, waouh,
Ah ouais, fais du mannequin, le magasin va être ouvert. Ok, pas de problème. Dis à Karine de venir. Puis je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a été conquis cette journée-là. J'ai tellement bien parlé, je me suis bien. J'étais bien habillée aussi. Et puis il a vu que j'ai. Comment on dit ça? Moi, j'ai une en maturité dans voix, en confiance en moi devant Miko. Hein? Mm-hmm. Puis peut-être que l'Iwessa lui dit. Mais pourquoi tu ne reviens pas à la radio? Ça va faire beaucoup de palampille, ça. Ça va faire du palampille. Et il fait vraiment. Je reviens dans CPAM. Mais si je reviens dans CPAM, je ne peux pas rester où je suis. C'est un dilemme. Ça veut dire, ah, tu vas devoir faire un choix. Puis j'ai décidé, let's go for it. Je reviens à CPAM. Et puis, bien quoi, moi, sûre et certaine que c'est la plus belle décision que je t'ai prise. Ouais, ouais, ça a changé tout là. Caprice a augmenté, les fanatiques de Caprice ont augmenté grâce à ça. La visualité que les gens, la vision des gens qu'ils avaient de moi a changé, commence à changer. C'est grâce à CPAM, là, Onel, que... Oui, parce que sérieusement, soit Abdian, c'est vrai, parce que oui, yo, tout le monde connaît sous le nom de Karine Caprice, ok, les capricieux. Mais avec émission, ça donne un ampleur. Ça libère bon, l'autre ampleur parce que en même temps, on va faire émission, on va faire live et lui relax. Avant même que on rentre en nom, ou toujours font une petite photo, ou laguer, ou dire à ma petite noire. Parce que souvent, on a regardé la vidéo après que vous faites. 3 500, 4 000 mounes. Oui, 5 000, 10 000. Exactement, oui. Vous pouvez suivre, j'aime souvent le sadou, bien même le lendemain, même qu'on a regardé, ou grand pile monde quand même, qui a suivi vous, parce que l'émission est intéressante, on passe des séries de belles musiques. Et puis, faut me féliciter en tout sur ça, on a une belle interaction avec Stéphane, avec le public. Et avec Stéphane, tout, parce que moi, nous avons une belle complicité. Oui. Mais j'étais pas comme bat comme ça avant parce que j'étais très timide. Peut-être que c'est ça le vinoué. Comme mon yo dit, moi j'étais ici, moi j'étais là-bas. Mais ces ici, moi j'étais là-bas ont permis d'avoir l'expérience que j'ai à CPAM maintenant pour dire je suis capable d'animer, je suis capable d'être derrière la console tout seul. Parce qu'avant, je n'ai pas de compte sur console. Non. Ça veut dire, on me dit, vas-y Karine, t'es capable, va sur la console. Avant, pas de compte sous console, non. Ça veut dire qu'on y a une sous console non, pour compte moins. Mais toute expérience, ça, son arrière, Blue Motion, sans limite, ça m'a permis d'acquérir des bagages pour maintenant que je suis capable de dire, oui, je suis animatrice et puis j'anime mon public. Et puis quand j'anime, là, j'anime solide. Donc, nous, on est ça. Mais faut que moi, dis tout, Karine, dans l'émission que tu as fait avec Claudine, Marie-Claudine de Radio Tandem, FM, nous te posé nos questions comme sujet, nous te prendre, ou quand on est dans le show, nous toujours faire recherche. Alors, question nous te demandé selon ça, elle te répond de nous-mêmes, nous te demandé est-ce que s'il joue une possibilité comme si pour ta associer à Bobé, pour ta vie, pour une émission de radio là, est-ce que la parole ou une place? Pour faire émission, il te dit non. Nous te demandons pour qui ça? Jen, nous sommes allés te répondre, il te dit que parce que ou à gauche ou à droite, pour pas au monde qui est stable. Et comme si d'après lui-même, il pensait si tu es bon côté, ou pas ta priorité, ou pas ta quitté, ou pas ta priorité, ou pas ça. Mais ma retourne aux questions. Si ou t'as une chance vraiment pour te faire émission avec lui, ou bien dans la radio, est-ce que tu as aller? Non. Et pour qui ça? Vraiment pas, non, parce que bon, c'est pas un monde vraiment. Parce que moi-même, moi, très, très intuitive. Donc, force sans marcher avant pour travailler avant. Alors, si bien comprendre n'a pas d'or, si on va marcher avec. Non, c'est quelqu'un que j'ai pas genre comme si dit allô, bonjour, ça va, non, comme Lila. Et puis, comme elle a dit que Lipa te connaît, que tu es animatrice, c'est le revers de la médaille. C'est comme. C'est. Un peu grâce à moi qu'elle est animatrice parce que je faut me faire joler pour être moi tout c'est notre job tout le temps. Oui. Alors c'est grâce à vous-même. C'est grâce à Caprice qu'il y a des certaines femmes maintenant qu'ils ont accès à devenir animatrice. Qui certaines femmes? Faut pas les Marie-Claudine, moi je savais pas que vraiment qu'elle était animatrice. Mais pourtant il faut faire des recherches approfondies parce que moi ça fait longtemps que j'étais là et aussi
elle anime avec Jacques Trouillot. Elle aurait dû poser la question à Jacques Trouillot parce que Jacques Trouillot est au courant que je suis animatrice, ça fait longtemps. Ça veut dire pourquoi elle a fait un constat comme ça. Karine n'a jamais été animatrice. Et il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, Priscilla aussi l'a dit. Elle ne savait pas que j'étais animatrice, on me l'a envoyé par WhatsApp. Oh my God. Ah, non. Elle ne savait pas que j'étais animatrice. Émission. Mais son dossier est clos, ce n'est pas grave. Mais excusez-moi pour Karine, parce que il y a des questions là qui ont été genre frappantes. On dit que c'est grâce à vous-même, Marie-Claudine, animatrice. Expliquez-moi comment ça a commencé. C'est grâce à vous-même. Avant Caprice, il n'y avait pas de femme vraiment qui faisait ça dans le HMI. Ici à Montréal, je parle. Okay. Ici à Montréal, je ne parle pas pour les autres places. Ici à Montréal, est-ce que vous pouvez me nommer une fille que vous connaissez, une femme que nous connaissons, qui t'a fait ça avant nous? La promotion d'événements. Justement, c'est peut-être ça qui a bloqué nous parce qu'il a dit qu'il y a deux mesdames, deux femmes qui belles, deux femmes solides rentrées dans l'industrie. Ça veut dire qu'on a essayé de bloquer pour ne pas avancer. Mm-hmm. Mais malheureusement, comme si moi je suis une bête de promotion, c'est partager non-stop. Ça veut dire Caprice vient prendre élan en dedans de un an. Ça veut dire tout le monde c'est Caprice. Ça veut dire j'ai quand même tracé un chemin. Ok, vous tracez un chemin, mais ce n'est pas grâce à vous-même. Non, ce n'est pas grâce à moi, mais j'ai tracé un chemin quand même. Okay. On ne peut pas dire, ou pas qu'à faire une annonce comme ça. Que ou pas qu'on aime tes animatrices, c'est promoteur que me dis, ma jambe tes promoteurs. Parce que ça m'a laissé comprendre, parce que là, on dit de bagaille, il faut que le public soit clair. Ouais, moi, je suis très clair. J'ai tracé. Non, nous connaissons pas ça bien l'émission. Parce que, mais ça m'a éclairci. Me pose aux questions, on dit que ça, c'est grâce à vous-même que l'animatrice, et puis l'humain n'était pas animatrice. Après ça, on dit que non. C'est chemin en tracé, ça c'est deux choses différentes. Mm-hmm. Ou tu traces le chemin, mais avant de te dire, c'est grâce à vous-même. J'ai tracé le chemin, c'est grâce à ma force, mon énergie, quand même. Parce que j'ai mis du travail. Moi, j'ai mis du travail où je suis arrivée. Si advenant que je suis un Jean Coutu, maintenant Jean Coutu, oui, et puis qu'on monde, out of nowhere, qui m'appelle, hey, Caprice, c'est toi, je te vois sur les lives. Ça veut dire que j'ai fait un travail. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas que j'étais animatrice, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas fait tes recherches correctement. Pourtant, elle a dit que j'étais promoteur. Je n'étais pas promoteur. Je n'ai jamais été promoteur. Mm-hmm. Okay? J'étais agent d'artiste. Ça, oui. Ça, j'ai aidé beaucoup les artistes de Montréal. Si on dit non, c'est parce qu'il y a un petit côté ingrat là-dedans. Okay? Mais j'ai beaucoup suivi les artistes de Montréal, si tellement il y a quelqu'un qui est venu m'appeler pour dire « Caprice, est-ce que tu peux nous donner la liste de toutes les artistes de Montréal? » Ça veut dire que j'avais fait un travail. Oui, effectivement. Comment ça se fait que tu ne sais pas que j'étais animatrice? Tu ne m'as jamais vu animer nulle part? Va faire tes recherches. C'est peut-être ça, enfin, tu poses ton photo. CPAM 2000. Quelque chose à CPAM d'aujourd'hui, ça veut dire ça fait longtemps que j'étais animatrice. Mm-hmm. Pas faire des recherches, okay. C'est pas faire recherche, c'est pourquoi pas faire. D'accord. Mais j'ai fait la trace, j'ai fait le chemin, oui. Nous éclaircissons ça, nous finissons avec ça parce que bien, public là. Parce que nous-mêmes, à chaque émission, nous recevons un peu, nous posons des questions. Mm-hmm. Et là, nous récits invités au monde dans l'émission, c'est par rapport à ça. Le monde qui est passé ou on invite un autre monde qui te rapporte l'homme dans l'émission. Et ça, il faut passer là. Mm-hmm. Parce que non seulement on te nous pour passer, et puis il y a qui te dit qu'il n'y a pas plaisir, on vient éclaircir ça parce que il n'y a pas qu'à calon, non seulement on roche. Et puis. Voilà. Mais je vais préciser quelque chose. Le monde nous pour te passer, c'est parce que moi, je dis, OK, on a tracé quelque chose. Il y a deux autres mesdames qui viennent renforcer Bagayo. Mm-hmm. C'est pas juste comme ça. Oh, ils sont belles, ils sont cute, je vais venir passer dans l'émission. Mm-hmm. Non, c'est parce que Devle Bay en support, comme si Ket, ok, il y a deux autres mesdames qui viennent faire un travail dans HMI. Non, mm-hmm. C'est pour ça que je voulais passer. Okay. Puis, t'es songé, photo nous, t'es fait un style, mm-hmm. nous bien collés ensemble. Oui. Et puis, on a pris, puis mm-hmm. on dit, oh, j'aime ton travail, vice versa. Donc, c'était peut-être ça que tu as besoin de passer une émission. Oui, mais... pour façon femme-corée-femme. Femme-corée-femme, mais qu'on y a femme pas corée-femme encore. Mais c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Mais faut que nous autres,
nous même là nous font émission, nous invité monde, nous là pour nous poser questions. Bon, bon l'autre bagaille tout que moi remarqué que moi suis bon l'autre promoteur tout qui arrivé bon, pas qu'à dire qui est arrivé en force, qui était là déjà mais qui vient nous retourner agressivement sous ma chair, OK, qui front row. Est-ce que bon, même étant donné que bon, bon émission, c'est une émission fort que vous animez, est-ce que la possible pour nous voir que front row t'a venu dans émission fort pour faire promotion parce que présentement là nous voir tout côté parce que grand pile bal que les organisé qui gagne quelque temps et des séries de balles intéressantes et les tout côté parce que les sous marchés agressivement alors qui veut dire que les Guenois font émission tout côté. Est-ce que on joue, est-ce que nos Guenois well vini dans émission parlant pour venir faire promotion? Bon, t'es participé dans conférence de presse là, les t'as fait conférence de presse puis effectivement m'a travaillé avec la ONEL pas jamais empêché nous faire rien comme si non va pas dans tel bal, va pas ici, va pas là-bas. Ça, c'est ouvert. Là, on n'a pas empêché de me faire comme si rien. C'est moi qui décide, comme si non, je veux pas ici, je veux pas là-bas. La conférence de presse m'était assistée. Ça m'était trouvé, effectivement, pour un monde qui a retourné sur le marché, stratégie, j'en tournais un, comme si pas fait moi-même plaisir, j'en m'a travaillé là. OK, ça veut dire ou agressif pour venir prendre place moun comme si je vais détruire pour remplacer. Non, moi pas très bien ça et puis comme tu dis nous talent, Caprice c'est mon bébé parce que quand je suis à la radio, qui promotion me fait? Moi promote Caprice, moi pas juste promote CPAM 14, c'est pas vrai. Ça veut dire moi j'ai droit dire les capricieux et les capricieuses, bonjour Caprice. Ça veut dire, c'est moi aussi, c'est mon image qui est dans CPAM. Ça veut dire, si je viens accepter un monde qui parle comme ça, qui vient agressivement, qui ne va pas dans mon sens, et puis qui ne va jamais prendre le temps non plus pour voir une lettre d'invitation, comme si formelle, pour dire, OK, je fais tel événement, est-ce que Capricieuse peut être là? Je fais telle chose, est-ce que Karine peut être là? C'est pas parce que je travaille avec la ONEL qu'il faut me mettre de côté parce que okay. Je travaille avec la ONEL. La ONEL, c'est la ONEL. Sous tes gombas, il y a Vel. C'est pas moi. Ça veut dire, mais si je connais la personne, la personnalité, ça fait longtemps. Parce que comme tu as dit, nous, tu es dans l'industrie, ça fait longtemps. Le temps 98-2000, tu es là. Dès qu'on a ça veut dire, c'est pas maintenant que je connais les affaires. Ça veut dire, là, au monde vient de faire une conférence de presse comme ça, me dit, qu'est-ce? Mais tu ne retournes pas comme ça sur le marché. Parce que le marché a déjà une circulation. OK, mais l'autre dit, ou pas tourner sur le marché comme ça. Qui ça, ça plaisir exactement? Ça veut dire que, ou Karelim pour dire bonjour, Caprice, est-ce que c'est possible d'avoir un entretien avec toi? Je vois que tu es animatrice à CPAM. Non, non, peut-être pas eux, je suis animatrice pour la ONEL. Non, je suis animatrice à CPAM 14-10 pour un show, pour le cocktail musical. C'est deux choses différentes. Ça veut dire, moi, passer toutes sortes de musique dans l'émission. C'est sûr et certain que je vais privilégier une musique que j'aime particulièrement parce que je vais te donner ma bonne indice. J'aurais mes musiques anciennes en pile. Ça veut dire, je vais mettre un tabou combo, je vais mettre un skacha, je vais mettre un design, Tropicana. Je vais mettre un Tropicana. System Ben, parce que c'est ça qui me fait l'aime avec Mounio en de Facebook. Là. Ça veut dire, je suis à l'aise dans la musique. Ça veut dire, je vais apporter une autre couleur au cocktail musical. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas passer classe. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler de l'album de Classe qui vient de sortir, de l'album de Disciple qui vient de sortir, de Kenny Way. Je vais parler de tout le monde en général parce que je vais rester neutre. Mais souvent, j'aime écouter et puis pas j'aime dire rien. Moi, personnellement, je me respecte puis je ne vais pas aller devant pour te demander
est-ce que je peux venir dans ton événement? Alors, si je ne comprends rien, il n'y a pas de gens contacter, ni même tout, il n'y a pas de gens contacter, évidemment. Non, mais pas de gens contacter tout, parce que bon, j'en pouvais. Je ne pas qu'arriver dans un niveau comme ça, je suis animatrice, j'ai un talent, je sais que j'ai un talent. Non, je ne vais pas te contacter, tu me contactes. Alors, qui veut dire, ou pas, ou pourquoi j'en ai un événement que vous faites? Non, mais c'est, il n'y a pas de rapport avec l'individu ou avec ça la fête. Il n'a jamais invité, c'est ça. C'est normal. Non, mais ça veut dire aussi Jen and Jen Show. C'est peut-être ça. C'est comme si Jen and Jen Show a fait un bal, ou pas invité, ou pas dit, oh bonjour, Karine, Caprice qui travaille dans CPAM, voici, je vais faire un événement, est-ce que tu peux venir? Ou bien, doit pas bon billet, m'acheter billet, oui? Il y a un respect mutuel qui doit se faire. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'un billet gratuit pour mal normal. Car tout le monde, moi bien quoi que tout le monde, car si on veut aller normal, il y a qu'à acheter un billet. Ça, c'est pas être média, ça ne veut pas dire un échange de services de billets. Là. Moi, pas un monde comme ça. Ça veut dire que, mais la forme, c'est que moi, pas jamais gagner un message texte ou un courriel pour me dire bonjour, Karine, je vois le travail que tu fais, je t'ai jamais rencontré avant. Alors pourquoi j'irais dans les événements? Pourquoi je parlerais de lui dans la radio? Non, ça, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il faut que ce soit fait très bien, très propre. Puis à partir avec de ce moment-là, discipline. Avec une discipline, à ce moment-là, toute sa yota diam, c'est groupie. Oh oui, je vais dans les balles pour des billets, pour les affaires gratuites, pour les musiciens. Il n'y a pas qu'à dire ça, on bat dans le bal. Ça veut dire, tu vas dire quoi? Que tu m'avais donné des billets gratuits pour aller dans ton bal. Non, j'ai fait mon respect. Mais par rapport avec tout son soudio là, qui sont conseillers mon ça, qui parlent de mettre tête ensemble en tant que nous c'est haïtiens, nous faisons même travail dans la communauté, mon ça qui parlent de mettre tête ensemble pour comme si nous sommes capables de plus loin. Et des fois, bon bagay wap fè ou gen wap pense que c'est spécialiste là-dedans, mais bon là-dedans, mais yon grand monde ou mande un conseil pou ki bon pou pousse ou gen wap. Ou pa dire moun sa fè m rive non, mais son fierté pou di a de travail en collaboration avec etel pou te capable fè et bagay yo marcher en tant que haïtien. Mais ki conseil ou gen pou moun sa? C'est une belle, très belle question parce que ça t'apprend conscience que le marché est plus de la même façon. Dans 2000, en 1998, des façons dont tu comptes faire, il n'y a pas même gens encore. L'industrie a changé, l'industrie a évolué d'une certaine façon. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est indispensable. Ça veut dire faut prendre conscience, faut étudier le marché en tout, et puis faut prendre temps pour étudier chaque monde. Parce que c'est pas parce que je travaille à Jen ou à Jens que je ne peux pas aller travailler avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire un personnage public, une animatrice, normalement, un média doit rester neutre. Mais le seul conseil que je peux leur donner, c'est d'essayer comme si d'aller parler à tout le monde. Mais il y aura jamais une parole avec. Okay. Ça veut dire, je peux, dans ce terme-là, je ne peux rien faire. Et j'ai fait un effort quand même. Moi, tu es allé dans la conférence de presse là. Moi, tu es là. J'ai partagé les photos pareil pour la première conférence de presse que yo t'ai fait yo t'ai yo web et yo compte suivre moi sur Instagram. Yo connais qui est moi. Ça veut dire il y a aucune raison pourquoi vous m'avez pas appelé. La seule raison qui est possible, c'est parce que je travaille avec la web. Mais c'est pas une bonne raison ça. C'est pas une bonne raison. C'est malheureux. Mais c'est malheureux parce que là, c'est comme si Vingé ou genre de parti pris. Exactement, il y a un parti pris pour quelqu'un d'autre qui travaille avec quelqu'un d'autre dans une autre station de radio. Ça veut dire, moi, on me met de côté parce que je travaille là. Mais c'est pas grave, c'est correct, je le prends bien. Parce que ma pévolue, pareil. Exactement. Mais pour l'instant là, avec tout parcours que vous faites dans Etchemaïla en tant qu'animatrice, et puis vous êtes femme de carrière, et puis, bon, comme vous on dit que vous êtes dans un milieu mannequin, pour comprendre mon modelant. Alors, qui projet à venir et qui compte voir dans quelques années avec toute belle expérience que vous conquérez déjà? Wow, très belle question. Donc, où est-ce que je me vois? Peut-être dans 5 ans?
pas bon nombre d'années parce que pas tellement avant nous te connait l'émission pas un nombre d'années ou dans quelques années parce que nous pas tellement préciser combien d'années mais à venir là parce que aller nous parler futur là derrière a fini pour nous comprendre. Ben ça serait certain que expérience puis bon expérience là c'est souterrain hein? C'est là le stage commence. Mon plus gros défi c'est d'apporter quelque chose de nouveau aux fanatiques. Mm-hmm. Toujours que ben là en haleine pour y avoir envie d'écouter, mieux envie d'entendre, mieux envie d'entendre des chants. Ça c'est un défi très difficile à lever parce que il y a beaucoup de personnes qui font des émissions, qui ont pile bagage qui passe sur internet là. Ça veut dire faut toujours innover, faut toujours comme si créative pour venir pour ton bagage différent parce que à chaque émission faut qu'on bagage qui différent. Comme faut porter un bagage pour fanatique qui était là. Donc c'est sûr et certain augmenter mon niveau de avec les fanatiques plus de personnes qui m'écoutent c'est sûr et certain c'est un défi lié et puis mon show que je vais faire très prochainement qui va exploser ça c'est un autre projet, c'est un autre bébé qui va naître très bientôt et que je vais prendre le temps de prendre soin de ce bébé-là et ça va changer beaucoup de choses dans ma vie, dans l'industrie aussi parce que ça va faire un show, ça va être un show de sensation. Donc, moi pas peut-être moins année comme au sautillant, mais dans les prochaines années, c'est sûr et certain que mon évolution dans l'industrie de la musique haïtienne va évoluer avec le travail dur, avec la patience, la loyauté. C'est avec ça marché, donc ça veut dire c'est sûr et certain que je vais exploser plafond. Mais pendant on parle de tout ça parce que moi j'ai quand même un bel bagage. Ouais. Bon, tout à l'heure c'est vrai que dès début entrevue hein, on parlait de ok, on a associé Karen avec Loupi, ceci cela. Mais à part de ça, qui est l'autre gros défi que vous rencontrez dans HMI? Ok, en tant que femme dans HMI, là, vous connaissez vous la donne ça fait longtemps. Qui l'autre plus grand défi que vous rencontrez? Il n'y a pas de non. Le plus gros défi, c'est de rester toi-même, de rester vrai, de pas une tête enflée. Oh, je suis animatrice, oh, je suis devenue une grosse vedette. Non, il faut rester humble des fois parce que dans la vie. Chaque monde gagne opportunité par yo, chaque monde gagne chance par yo. Peut-être c'est chance moins kounya, ça veut dire demain ça va être la chance de quelqu'un d'autre. Ça veut dire je suis toujours quelqu'un qui reste humble et puis fanatique, toujours saluer yo, yo m'entendre, moi toujours by yo love. Ça veut dire je reste moi-même, c'est le plus gros défi parce que on sait que l'être humain est fragile, il aime ça, il est sujet à changer. Yo toujours dit ça, être humain a changé en pile, il était en genre. Lui non l'autre genre parce que oh oui les superstars. Moi je reste toujours moi-même, vrai, authentique. C'est le plus gros défi même de la vie au complet, de rester soi-même. C'est les valeurs que j'ai dans la tête, de les garder tout le temps parce que c'est très difficile parce que il y a des monde qui dit non tu dois faire ci, tu dois faire ça, là tu dois prendre une prise de conscience. Non mais j'ai des valeurs, je suis comme ça. Des fois, c'est difficile, c'est dur avec la vie familiale, avec les amis, la famille, de mélanger tout ça ensemble. Il faut vraiment être fort, puis de faire la différence entre les deux. Quand je suis dans les médias, puis quand je suis dans ma famille, quand je suis avec mes amis, ça englobe tout. Mais quand même, il faut me séparer, parce que je n'ai pas qu'à mettre vie familiale dans la donne. Des fois, c'est difficile. Des fois, j'ai envie de partager une photo, je suis comme, non. Oui, parce que c'est ça, parce que son bail tout me suit, vous pas vraiment partager rien de famille. Moi, je trouve qu'il y a un bon bagage personnellement parce que parce que vous impliquer, mettre même bagage à nous faire. Exactement, c'est la dur, même chose. C'est dur, mais c'est même à l'heure, comme si, bon, même pour me juste retourner sur samedi, hein, c'est dans le sens que en tant que femme, quand vous voulez parler de défi, qui va où t'es trouvé. Plus difficile, il y a peut-être 15-20 ans l'autre est commencé versus Kounia, ça c'est une. Deuxième partie, dans la question, qui s'est retrouvé qui a amélioré tout
que ou même suivre pour améliorer. Non, dans l'industrie en général ou même en tant que femme qui ça peut trouver qui améliorer. Mais pas grand rien qui améliorer parce que c'est chien manger chien chat. Non non mais faut qu'on dit bagaille yo. Sincèrement pas grand rien qui améliorer. Qui améliorer alors ou même en tant que femme dans pour garçon depuis le wall il toujours pensait que oh oui dans ce tout dernier parce que c'est comme ça alors que moi même c'est là que me il y a de l'important ça oui comme ça dire oui et tant pour après midi là me passer sur Messenger Jen Choa mon partenaire qui écrit nous il écrit bonne fête bébé ou belle en pile oui chez au ca voyer numéro WhatsApp pour moi. Mais voilà. Vous comprenez ça veut dire qu'on peut changer. Ouais, vous comprenez ça dire ça. Oui, parce que souvent c'est là que non des fois qu'on vient oui. Groupie bagaille parce que des fois qu'on vient professionnel ou équipé pour venir faire une entrevue et puis mon ami il était gant en ouais. Ouais, il était gant. C'est belle femme mes amis, c'est wow. C'est wow. Café les bagabas ou merde. Mais en tout cas, non, c'est difficile, c'est très difficile parce que tu mets ton post comme ça sur Facebook, il y a des fois, je n'ai pas de temps pour prendre tout le message. Moi, j'ai un pile message à chaque jour. Allô, le messenger où? Allô bébé, t'es belle, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? En plus, il y aurait l'eau. Non, oh oui, pas oh, sur Messenger, nous-mêmes, sont mises à passer sur Messenger. Mais imaginez, ou avec famille, ou avec ménageau, comme lui aussi, là, il doit écoper là-dedans, comme si... Qu'est-ce parce que souvent, quoi que, il est important, faut que nous dire, c'est que, et ça, son message, ça m'a dit, hein, il est applicable pour moi-même, pour Jen. Dans le sens que, souvent... Yo, ouais, nous en tant qu'animatrice, c'est pas parce que je n'ai pas posté une photo que je avec un monde qui me dit que je n'ai pas grand monde dans la ville. Voilà. Vous comprenez? Et des fois, mon nom est abordé en façon, pas madame, c'est pas parce que je n'ai pas rien d'avant, que je suis gentil. C'est ça. Souvent, l'homme interprétait gentillesse comme une faiblesse. Ouais. Exactement. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Non, ça fait point éclairci parce que moi avec Jen, nous, tellement joué une approche et des fois ça mon ne pas comprendre c'est que Messenger nous gérer pas même à deux à trois alors des fois les gens pensent que c'est moi qui vais répondre c'est producteur des fois c'est un bon depuis ces bagages son producteur a toujours répondu dans place il va pas nos chances avec des lettres pense à avec nous parler le nous écrit exactement donc suspendu exactement et puis gars des mon ne pas besoin qu'on ait après l'eau sur Messenger j'en vois rien. Alors, tout bas et ça, c'est ça fait que je me pose aux questions. Ça. Désolé si je déborde un peu, mais c'est une raison. C'est une très belle question aussi parce que je m'explique en anecdote parce que moi-même, son femme qui était comme si très sévère, un caractère assez fort, ça veut dire moi pas trop sociable avant du tout, depuis mal que ça. Pas moi-même. Imaginez, moi, je viens comme si posée, je dis tout le monde bonjour, je fais un sourire. Kounia, yo fin interpréter dans l'autre genre. Oh, elle est trop sociable. Voilà. Oh, ben elle veut être notre amie, elle veut être notre copine, elle veut être ci, elle veut être ça. Oh, non, lui fait bagarre à même. Non, c'est juste que yo te dit comme ça que mon caractère était trop ci, trop ça. Oh, Karine, t'exagères. Il y a des gens qui te disent pas bonjour, tu sais, fais un effort. Kounia, là, l'aime vin sociable, hein? Kounia, wap dim que une autre affaire, je suis trop sociable, je suis trop ci. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un juste milieu quand tu es une femme dans l'industrie? Et l'on a un milieu sans obliger gentil avec toi. Obligé gentil, mais comme il dit, il prend gentillesse là pour comme faiblesse. Ça veut dire, on fait la petite dîme, allô bébé, t'es belle, j'aime ta photo. Merci beaucoup. C'est ça. Tu réponds merci beaucoup. Il n'est pas satisfait, non? Satisfait. Là, nous avons l'autre bagaille. Il dit, oh, comment? Des fois, yo y a nous commentaire qui j'en réponds moins drôle comme voilà. Ça. Voilà. Là, ce qui est ça pour me dire. J'ai envie de fermer le Messenger, même pas capable. Non. Souvent, tous. Non, il fait même oui, jeune. Non, pas capable. Bon, quand il y a la Karine, d'ailleurs, me connaît avec moi. C'est sûr que dans Pile Bagay, vous expliquez nous là, nous, et que nous sommes vraiment passés en pile de carrière. Que ces bagages positifs ou négatifs.
Mais pour négativité, comment gérer critique là mon a critiqué? Comment ça, comment gérer critique là? Waouh, moi personnellement, critiquer ça me booste vraiment bien. Comment gérer? Laisse arriver sur comment gérer? Moi-même, je suis un monde qui est très familial et je suis un monde qui est très intuitif dans le choix de monde que m'a metté autour de moi. Mm-hmm. Ça veut dire, kounya là avec expérience, moi t'ai gagné. Monde qui était bon côté mieux, ça c'était négatif au complet. On y a la vienne bâtir en réseau parce que du réseau c'est très important. Monde moi mettre bon côté là, il est très 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 important parce que l'ica crasé ou l'ica manteau, ça veut dire on y a vienne mettre en série de monde que moi connais si me poser en question, il y a dit la vérité, il y a dit non Karine, telle affaire, ça veut dire moi bon on tire réseau que quand je suis comme si en crise quel garçon fanatique dit sous photo non ok là j'appelle quelqu'un ok Karine posez ça veut dire j'ai créé un réseau comme ça que moi viens qu'à gérer émotions parce que faut gérer les émotions ou pas qu'à émotionnel l'homme les va faire business c'est impossible ça veut dire viens gérer émotions ça veut dire une carrière en commentaire dit ah je vais pas répondre, je vais laisser. Ou bien effacer. Effacer. Mais avant, waouh, ça veut dire chaque petit bagage. Non, c'est pas ça. Oh, j'efface, je bloque. Alors, ils n'ont pas bloqué mon encore. Tu peux rester, faire tes commentaires comme mauvais commentaire, bon commentaire. Tu parles de moi, tu fais promotion gratuite pour moi. Merci beaucoup. Et c'est comme tant qu'une photo me t'es mettée en sous-vêtement. Bon animateur qui te prend, un animateur de l'extérieur qui l'avait pris, il l'a posté. Il a dit, ça type ça, il a un en sous-vêtement, et puis, pour que ça ne pas rentrer 20 millions de gens pour le plus sexy. Ok. Mais, photo, elle vient mettre un. Il fait un plus fanatique sur page, oui. Mon yo, ouais, photo, elle partage. Il partage. Fait mauvais commentaire ou pas, faut apprendre à gérer les émotions. Mais on pas qu'à gérer le pour contour, impossible. Faut gagner mon alentour. Qui cadeau comme ça, poser tempo et puis laisse faire et puis passer à autre chose. Faut qu'un monde positif, beaucoup tôt pour qu'on fait pareil ça parce que des fois il est impossible. Exactement. Alors, combien là nous capables de nous parler de notre phase de l'émission? Mais avant que nous prenions notre phase ça, d'aimer demander au Karine. Yon jeune ou bien n'importe monde qui t'a voulu suivre le même chemin ensemble avec vous, qui sont conseillés? Yon monde qui fait à commencer. Exactement. Qui conseille au cabal comme ça, si vous voulez suivre? Comme animatrice? Animatrice ou bien mannequin, quelque soit. Yon n'a pas d'ailleurs à faire. Depuis tout le monde tendait là, tout le monde qui a suivi nous là, tout le monde qui est branché, fait que qui sont à conseiller sur le table de suivre le même chemin ensemble? Mais c'est sûr et certain que dans l'année, moi vinn gen l'autre bagage comme quand même t'as l'école pas t'as l'école comme animatrice ou journaliste même t'as l'école dans l'autre bagage le chemin de l'école c'est sûr et certain ma petite jeune ça Folkenville l'éducation aussi c'est très important et je pas qu'à dire mon dans la privance en concert sans pas grand petit bagage dans tête li c'est sûr et certain que faire l'expérience sur le terrain, c'est plus gros expérience que le cas joindre parce que aussi aller à l'école, c'est pas juste ça qu'à faire venir en animatrice tout bon parce que faut souterrain hein, et puis faut apprendre comme si tout de suite. Mais la détermination, être soi-même, c'est un bagage que m'étais toujours gagné, m'a toujours kimbil. Le travail acharné, toujours croire en soi-même parce que en soi. Sous pas quoi dans tête tout si pas quoi dans tête moi ou pas quoi dans tête moi ou pas quoi dans moi ou pas quoi de ça m'a tout bien. En fait c'est ça veut dire et puis en tant que femme sous son femme en jeune femme gon jan pouye tout temps ça veut dire gon façon pouye gon jan pour comporter lors son femme surtout dans l'industrie ça so, la confiance en soi c'est la clé, croire en ses rêves, croire que oui je suis capable, faut que je travaille pour parce que ou pas qu'à venir
au niveau sous pas travail pour ça. So, c'est ça, ma petite jeune ça, toujours continuer le travail. Pas oublier aussi, moi je suis quelqu'un de très croyante. Oh, moi-même que. La nature, ou comment elle est là. Bon Dieu, dans toute bagaille. Oh oui, bon Dieu devant toute bagaille. Moi, je le mets en avant tout le temps. Ça m'a beaucoup aidé. Ma famille aussi est avec moi. Malgré que nous pas ouais yo sur les réseaux sociaux, nous pas ouais moi mettre des photos, mais ma famille me back à 100%. Donc, la famille, Dieu avant tout. Et puis, c'est ça. Exactement. Bel conseil. Mm-hmm. Bon, Karen, là, nous arrivons dans la dernière phase émission. Hein. Mais pas émission qui est plus punch dans la dedans. Ah, ou qu'elle est saisie. Mais ou pas besoin de faire parce que nous pas maltraiter. Yes. Mais okay. L'une des dernières phases là, c'est phase question. Fanatique, nous connaît, yo connaît. C'est phase côté peu. Oh oui, c'est pas mieux ça. Ou elle de loin. Ou elle de loin, mais la connaît. Je dis en lit de près. Côté que ou pouvoir choisir trois questions, mais on a la fois des pour fin choisir non pas qu'à remettre là non des pour fin prendre ou fin prendre net et puis on appelle à haute voix question et puis faut qu'on réponde le plus honnêtement que possible. Exactement. Yes. La pas de mentir ou pas passer à rebond, c'est direct. OK, pas de problème. Brassez-le, vous pas brassez-le. Et puis, l'offre une première question, mettez-le là, non, ou pas premier, mettez-le là. Un à la fois. Faut pas l'écrire bien, ben non, les pots. Non, regarde l'écrire. Ah, OK. Pas trop mal. OK. Si nèg ou, femme ou kembe ou ak lot nèg, bien yon l'autre femme souvent tout qui ça va faire. OK, alors quelque chose okay, si nèg moi qu'un bim avec un autre nèg. C'est ça? Oui. Bon, ça va qui ça va faire? Si le qu'un bim? Oui. Mais personnellement, c'est une femme qui est très loyale. Très loyale, très très loyale, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail moi. Si mon grand problème avec ménage moi toujours dire ça d'avance. Et dire comme ça, ah, il y a quelque chose, il y a un blocage, sous pas rangel, c'est pas ma faute, m'a obligé à le ranger pour compte moi. So, moi, je suis comme ça, mais en situation pour le vin, moi, sous cabane, il y a des fortes chances que ça va pas arriver parce que. Et pas arriver, nous m'en yeah. Si ça t'arrive, qui réaction? Faut qu'on réponde à la droite. Si ça arrive, c'est parce que n'est-ce pas de faire ça, t'es gain pour faire. Oui, mais qui j'en parle à réagir? Tu m'as pris en flagrant délit. J'ai assumé. Alors, qui veut dire pas faire rien ou pas pleurer ou pas faire rien dans la situation sans l'autre, ça veut dire. Mandé. Ou pas faire rien, il t'a pris en flagrant délit, ils sont pas dit là. C'est quoi? C'est mon cousin? C'est mon cousin? Il veut un massage pour moi? Arrête là. Ok. On passe à la deuxième question. Nous comprenons là. Alors ça veut dire, depuis au Québec, il y a au Québec net. Au Québec, m'assumer. Mais ça, c'est pas ma faute seulement si ça arrive. Oui. Tu vois bien là. Qui sacrifie en envie ou qui te mettait au mal à l'aise? Fait on regrette tout. Qui ça qui te mettait mal à l'aise? Oui, et qui situation que tu regrettes après? Oui, qui mettait au plus mal à l'aise dans la vie ou que tu regrettes? Waouh! Il faut que nous répondions ça, bon, le plus honnête possible, pas nos vérités. Un voyage que j'ai fait dans ma vie. Qui côté? Ah, pas qu'à dire qui côté parce que. Il y a un pile de bagaille là-dedans que mon papa a dit, mais un voyage que j'ai regretté. Et... si je n'ai pas de forme sous moi ou si je n'ai pas de sacré intuition, je n'ai pas de place aujourd'hui avec nous. Bonjour. Si vous payez ou t'es allé en voyage, vous n'avez pas de détails, ça ne parle rien. C'est ça, parce que là où je suis, on voyage. Juste qui paye ou t'es fait voyage, là, si c'est à Cuba, si c'est au Mexique, parce que vous dites plein volet dans un endroit, ça va aller en tourisme. Bon.
Si vous voulez que vous voulez dominer, vous voulez maintenant voler, maintenant voler. Non, si. Mwen di kwa ke Republik Dominiken Meksik yo di le tourista la ba ple vole, ave di mzou eske se peyi sa yo te fe voyaj la ou gen doaj yon? Oui, peyi tropical, peyi tropical. Me ki peyi, eske se Meksik ou bien? Non, bon ko jom al Meksik, men petet mwen pa Meksik bientou. Me ki peyi, ki peyi? Ben an Haiti. Ah, ok, ok, se just sa, oui. Ki peyi, ok, an nou basa lot bada. Yes. Se publik la li menm le etike sou sa ou bezo konen wè wè mbay detay, jil di ba e lan fin. Jen fwa nou fè lòt kesyon, ma ron kon kesyon yon kon nou. Ki pati nan yon kor, yon fam ou ben yon gason ki pi atire ou? Ou jen tout bon kesyon. Oh, yes, bon kesyon. Alors ki pa ki pi atire ou? Non gason. Pati nan kor. Le men. Men. Ouais, les mains, les yeux, ben parce qu'avec le toucher, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Hein? Ah. Ok, mais bon, l'autre dit les mains. Même si on n'a pas les mains. Les ongles, les ongles propres. Alors, ça veut dire l'autre, ou dit mains, tout le bagage englobé. Tout le bagage englobé, non, mais ça veut dire les ongles belles, les propres, les dents aussi. Parce que je suis quelqu'un qui est très. Ouais, les dents, la laine. c'est pas juste la beauté d'un homme qui est important parce que si mon nom belle et puis dans le pas propre, son nid pas propre, ça a dit la vie nous toucher et puis on y a là. Non, moi c'est très important. Les ongles, la dentition, la laine, et puis c'est ça. Puis après ça, le physique c'est après, mais moi les mains c'est très important. Regardez pieds tout. Tout ça que bizarre, yo. Moi, regardez, yo. Bon. Ça, voilà. Même les pieds. Même les pieds. Bon, au fil parler, oui. Mm-hmm. Au fil parler. Bon. Dernière question, Jen Baron, sur mon dernière question. Même dernière question. Comment tu trouves sur plateau? Est-ce que tu es trop maltraité ou bien Baron, qui j'en ai senti ou passé tout le temps ensemble avec moi? Il y a quelques formations, nous connaissons, nous brancher. C'est ça que j'ai. Il y a quelques questions que tu as saisies, mais non, nice. Moi, je me sens très à l'aise. Et comme d'habitude, je suis moi-même. Donc, non, je ne suis pas trop maltraité. Nous sommes très, très à l'aise avec nous et puis nous poser de belles questions. Belle show. Merci. Je vous fouille en pile. Mais belle show, belle bagaille, belle plateau. Vous êtes senti très à l'aise, très belle, merci. Très frais. Et puis nous recevons en grand. Merci. Voilà. Alors nous arrivons à faire l'émission. Bon dernier mot. Bon, moi-même, seul ça m'a dit, c'est que je vous remercie tant que vous êtes porté sur le plateau de Janet Show. Tant que. Femme, je suis malin qui l'a dans mon amour. Vous pouvez nous en pile bagage, parce que vous n'avez pas qu'un bagage que vous dites aujourd'hui. Que avec Jen, nous prenons. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas gagné longtemps que nous sommes en industrie. C'est sûr que nous sommes plus observatifs, c'est sûr que nous sommes plus observés. Mais c'est sûr que nous avons gardé une femme d'un coup. Nous nous considérons vraiment comme une femme voyante. Courageuse. Parce que nous sommes en industrie. Majoritairement d'hommes, pour comprendre, pour percer et pour persistant, les féliciter, encourager, pour continuer le bel travail qu'on va faire. Merci. Et déjà, ouais, que, on va loin. Exactement. Mais mon dernier mot, Karine, c'est mon petit dernier mot. Le dernier mot, c'est de rester humble, de rester à être à soi-même. Être soi-même tout le temps, en tout temps, c'est très important. Et puis, nous avons une envie, nous, rester loyal. Ça veut dire, si nous disons nos paroles, respecter cette parole-là. La loyauté, c'est très important. Puis, encore une fois, mettez mon Dieu devant et puis la famille. C'est juste ça. Sincèrement, c'est ça qui me tient dans l'industrie. C'est ma famille et puis c'est la nature, c'est Dieu. Exactement. Ça, voilà. Et si pas te mettre mon ça loyal, à soi, là, c'est ça vraiment. Ah, et bien, la loyal avec mon ça. Non, mais s'il pas de loyauté dans lui-même. Bah, ça va la faire. Voilà. Ah, c'est vrai, puis je vais le dire un gros merci aussi parce que c'est quelqu'un de très patient.
est très serviable. Et puis, dans tout ce que je fais, il est derrière moi. Donc, quoi demander de plus, hein? Mm-hmm. Voilà, pas plus. Wow, nous aimons ça, nous aimons ça. Alors, on a dit tout pour merci. Un merci spécial pour Karine, comme pour Jean se dit déjà, le fait qu'on ait accepté l'invitation, ça. Et nous souhaitons que ce n'est pas la dernière fois qu'on va venir là. Dans Jean Show, chaque monde qui passe dans l'émission, nous toujours pas une clé. On va nous mettre pas là, on est capable de rentrer au vin comme nous, vers votre soir, vin faire, parce que chaque monde a une clé. C'est pour venir là, nous tout rentrer, ça veut dire que nous ne pouvons pas combien de clés nous avons là, mais si boîte là, sur table, la plaie clé là-dedans. Donc, chaque temps, producteur a fait nous clé. Alors, on dit tout le monde merci, tout le monde qui t'a regardé l'émission, ça, qui c'est Jelen Chouchou Paola. Chouchou Paola et Chouchou Paola, tout le monde. Partagez l'émission, bonne love. Là. Et puis, si vous avez un bagage dans l'émission, nous avons besoin de faire une critique, que c'est critique bien ou critique en mal, nous n'avons pas de problème avec ça. Alors, c'est ça, nous avons besoin pour nous capables plus avancer dans cette affaire. Alors, encore une fois, merci de ce que nous. Toujours sur Jen and Jen Show. Pas oublier à l'abonner nous, à subscribe, bon petit cloche en avec nous cliquer sur le lien après tout bon bagage Jen and Jen Show, laguer sous page. Et puis n'attendons nous pour l'autre édition de Jen and Jen Show. Jen and Jen Show, c'est chaud pam, c'est chaud pao et c'est chaud pam nous toutes. Bye bye. Sauver à retourner, viens chercher tout fidèle.